Bonjour, alors avec cette vidéo, je voudrais vous montrer les plus beaux coffrets faits par AB Productions selon moi. Ce sont les coffrets des films Dragon Ball et Dragon Ball Z et GT. Je ne sais pas si à l'heure actuelle ils sont toujours en vente dans ce format, mais c'était les meilleurs coffrets que AB Productions a fait sur tous leurs coffrets DVD. Ils sont hyper complets avec pas mal d'illustrations, ils ont été faits avec soin et non pas par amateurisme. Parce que quand on voit les coffrets faits de nos jours, on dirait qu'ils sont faits à la va-vite. Qu'ils ont pris les photos qu'ils avaient sur leur ordinateur et qu'ils ont fait vite fait des coffrets. Là, au moins, il y a du soin apporté au coffret. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ces coffrets. Bon, les cartes-là, elles ne font pas partie du coffret. C'est moi qui les ai rangées à l'intérieur du coffret. Donc, dans chaque coffret, on a des cartes sur les films, les affiches des films. Voilà. On a un sympathique livret. Avec les personnages et les résumés des films et les DVD en question. C'est vraiment très beau et il y a vraiment un soin apporté à ces coffrets. Pareil pour le coffret numéro 2. Bon, les cartes là ne font pas partie du coffret, c'est moi qui les ai rangées là-dedans. Les affiches de tous les films. Voilà. Également un livret. Par contre, là, sur le livret, ils ont un peu merdé. C'est pas le même format. Regardez. Vous voyez, là, on a un livret avec des agrafes et là, on a un vrai livret. C'est pareil, présentation des personnages, des films, résumés. Et le coffret. Alors, c'est pas la même matière. Là, c'est du glacé, là, c'est matière différente. Je sais pas pourquoi. Pareil, superbe illustration. Du son apporté à tout ça. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion de tomber sur ces coffrets-là, moi je vous dis, n'hésitez pas, il faut les prendre. C'est les plus beaux coffrets que AB Productions ait pu faire, comparé à la bouse qu'ils nous font en ce moment.